à vous, je m'appelle Marie-Josée Bergeron, spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte, et j'ai plein de capsules gratuites sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vous parle de l'effet encaustique sans l'effet toxique. On commence maintenant. Vous apprendrez à créer des effets encaustiques sans utiliser, bien sûr, la cire chaude ainsi que les produits qui sont parfois toxiques. Alors, c'est très simple. Je vous invite à prendre 6 tableaux du même format et vous allez écrire tout simplement des phrases, des éléments graphiques sur chaque toile. L'effet, c'est d'avoir des éléments noirs et blancs, un peu comme vous voyez à l'écran. J'ai aussi fait des formes, vous pouvez faire des lignes très, très intuitivement. C'est vraiment dans le but de créer un fond pour enrayer l'effet de la toile blanche. Lorsque c'est fait, je vous invite à ajouter une couche de médium mat et vous devez l'appliquer très rapidement. J'ai utilisé une mine HB. Vous pourriez prendre un crayon permanent parce que la mine a tendance à s'étendre avec l'humidité du médium mat. Ensuite, j'utilise de l'encre à base d'eau, en fait une encre à base d'acrylique, et je fais diverses couleurs. J'ai utilisé le sépia ainsi qu'un bleu turquoise et je vais en mettre sur l'ensemble des 6 toiles, encore une fois très aléatoirement. Ensuite, vous pouvez utiliser des pastels secs ou même des pannes pastels. Le but, c'est d'aller chercher une autre matière, un autre médium, afin de créer une belle combinaison et de couleurs et de multiples médiums. Et vous faites ceci pour l'ensemble, encore une fois, des 6 toiles. Ensuite, la même étape. Donc, vous ajoutez encore une fois une couche de médium mat. Vous voulez figer complètement les couleurs. Lorsque c'est fait, vous prenez une spatule droite et vous allez appliquer une couche épaisse de gel mat sur l'ensemble des 6 toiles. Essayez de ne pas trop tapoter le gel. Vous devez vraiment l'appliquer de haut en bas. J'ai aussi ajouté par la suite quelques éléments de collage. Ce n'est pas obligatoire, mais ça donne une autre profondeur et un ajout de texture à l'ensemble de mes 6 toiles. J'aime bien travailler avec des éléments graphiques. Coller du coton à fromage, toujours avec du médium mat, et j'ai ajouté encore une fois de l'encre et je vais ajouter même de la peinture. Vous avez remarqué que je vais travailler avec des couleurs qui sont similaires, donc dans les turquoises, dans les verts, dans les bruns sépia, les terres d'ombre. Je veux vraiment créer un effet très, très nature, on va dire ça comme ça. Et ne vous gênez pas pour travailler avec des teintes parfois plus claires et plus foncées. Et bien sûr, vous allez faire ça sur les 6 toiles. Vous pouvez très bien avoir des toiles qui vont avoir une majorité de, par exemple, dans les teintes de bleu-vert versus des terres d'ombre. Vous pouvez aussi ajouter quelques touches un peu plus lumineuse avec soit des blancs ou des écrus, et même vous pouvez aller chercher des teintes plus claires de vos couleurs de base. Lorsque c'est fait, vous ajoutez, si vous voulez, encore une fois de l'encre, aussi vaporiser un peu d'eau et étendre avec le pinceau afin que les couleurs pénètrent un peu dans le gel mat. De clarté avec la peinture acrylique. Bien sûr, j'ai laissé sécher avant mon encre à base d'eau. Et vous avez remarqué, j'ai des toiles, 2 toiles plus dans les bleus, 2 autres toiles plus bruns et 2 autres encore un peu plus clairs pour créer un ensemble
de 6. Lorsque c'est fait, vous recommencez, vous appliquez encore une fois une couche épaisse de gelmat. Cette fois-ci, vous pouvez mettre un peu plus de texture et vous allez faire ça sur l'ensemble des 6 toiles. Bien sûr, vous devez laisser sécher complètement et assurez-vous que les pourtours de vos toiles soient éliminés de gelmat pour que vos tours puissent rester très droits. Une fois que c'est fait, vous avez remarqué, j'utilise un objet pointu, soit un outil, pour aller créer des espèces de lignes pour créer des stries à travers le gelmat. Et vous faites ça pour l'ensemble des 6 toiles. Vous voyez, je fais des formes où vous pouvez créer des éléments, des lignes ou des éléments très, très abstraits. L'idée, c'est de créer vraiment une espèce d'empreinte dans le gelmat. Lorsque c'est fait, vous ajoutez encore une fois de l'encre et vous essayez de les faire pénétrer à l'intérieur des stries que vous venez de faire. Lorsque c'est sec, je vous invite peut-être à jouer avec un petit peu de peinture blanche. Vous pouvez l'appliquer comme je le fais à la spatule. Vous allez remarquer aussi que l'effet des toiles est très, très mat et un peu comme un effet de cire. Pourquoi? C'est l'épaisseur des couches de gelmat qui va avoir créé cette espèce d'effet sirupeux de votre toile. Alors, vous voyez, là, j'ajoute quelques couleurs un peu plus claires, vraiment pour composer une belle profondeur à mes couleurs et à l'ensemble de mes 6 toiles. Je refais encore une fois une couche. Donc, c'est la 3e couche de gelmat, toujours de la même façon que j'ai fait les 2 premières. Et vous allez laisser sécher, évidemment, pour passer à l'autre étape. Lorsque vous avez terminé, je vous invite à prendre des pastels à l'huile et de frotter avec le pastel. Vous pouvez travailler le pastel vraiment parallèle à votre toile et vous allez frotter délicatement sur les textures qui ont été laissées par le gelmat. Et ensuite, vous pouvez utiliser soit une règle ou autre élément pour aller chercher des lignes qui étaient déjà fait soit par vos collages ou par d'autres éléments graphiques, soit les stries laissées par l'outil. Même, vous pouvez refaire certaines portions d'écriture qui avaient été faites au début. J'utilise un crayon graphite. Une fois que c'est fait, vous voyez un peu l'effet. C'est très, très beau. Et je vous invite à ajouter une couche de vernis mat, très, très mat, pour sceller le tout. Vous aimez mes capsules, vous aimez mon contenu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et allez vous abonner à mes autres réseaux sociaux. Et j'ai énormément de cours en ligne préenregistrés avec du contenu de qualité et accessible à vie, et ce, 24/7.